Bon. C'est sympa. Pyra? Anybody? I'm here. You hurt? No, I'm fine. Oh. Looks like we're all okay. Except for the fact that we now find ourselves in the belly of the beast. The beastie's belly? Ah ouais. This is the inside of the Orion Il nous Titan. envahit. Look. Tora think this not nice place. Is that how we're gonna end up? Hey Rex, don't jinx us. Everyone, shouldn't we try to get out of here? If I recall, the Orions live towards the beast's back. There must be a way up there. Yeah. Can't hang around here for sure. Over there. Huh? Poppy sees something over there. Someone coming this way. For real? Maybe you're just seeing things. Poppy is certain. Something is flickering over there. Flickering? You say? Some kind of ghost, maybe? Shut up. There's no such thing. Nia, you're not scared, surely? Don't talk nonsense, Rex. I'm not a kid. You're scared. At last, something Nia's scared of. Just you watch. Hey, where's Pyra? What? Pyra's missing. But she was right here. Pyra? Pyra! Hey, what's up? Ah, bah c'est elle, le fantôme. What's the big idea? Don't wander off like that. Nothing, really. I was just taking a look around. What's the matter? What's so funny? Oh, nothing. Oh, Titan's fault. Ok. Oh bah, ça arrive quand même. Things are looking brighter already. Poppy can help too. Now even more brighter. You two are certainly earning a keep. Oh, I wish I could say the same for old Dromark here. Apologies, my lady. See? Not so scary when you can actually see. Let's find the exit. Yeah! Royaume du Raya. Wow, super royaume. Nos stages ajoutés à Tailleur. Tailleur. Yeah. Avancer. Diriger vers la vie. Très bien. Au 18, on a les chiots qui vont bien. Peut-être par le bas. Non, mais il y a un niveau 22, ceci dit, donc on va essayer celui-là. Est-ce que pourquoi pas? J'ai fait un niveau 20, donc on verra bien. À faire un fois 4 en feu, ça serait bon. Je pense.
Why not? Eagle Eye! Ha! Now, let's show them what we're really made of. Ah, elle se protège, donc ça va. Là, j'ai presque niveau 3. 2, 3, hop. Voilà, et on devrait avoir un niveau 4 qui se charge super rapidement. C'est parti. Hop, j'ai loupé. Est-ce que ça va pas être excellent, zut. Ah si, encore un médecin. Allez, ça va. Hop. On va aussi faire un fois un autre combo 3, 4. Hop. J'attends juste le niveau 4 en fait. Ok, il est en train de se charger. Nickel. Et il est mort. Nice. Thanks, Poppy. Easy peasy. Les ennemis. Niveau 23, c'est Abatras, tiens, gorge d'acide. Comment vous dire que non? Je ne fais pas ça, ouais, surtout les dégâts. Come out, come out. On monte, mais on a une quête en bas sinon. Et après, comment je remonte, je ne sais pas, donc on va rester sur le chemin du haut. If they seek a fight, they shall get one. New enemy in the mix. Voir si on peut faire avec des équilibres en plus, ça serait bien. J'ai réanimé pour Nia après ça. Je viens de voir. Ok, où est Nia? Elle est pas tombée quand même. Ok, c'est un gros souci que j'ai. Ouais, il faut que je fuis. Malheureusement, Nia est tombée, du coup, je peux pas la réanimer. Et bah, je peux pas faire le fight à deux. Donc, bon, voilà. Triste.
J'aurais dû courir dans l'autre sens, mais bon. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Okay, bring it on. Soit je peux faire un fight ici, hein. Là, je suis sûr que personne va tomber. Oh, ok. Combien de dégâts? Beaucoup. Avancer. There's some kind of dim light. If I remember, the Urion Titan has a translucent hide. I bet that'll be the light filtering through. So the Titan must be above the clouds now. I dare say. If we can make it to the source of the light, maybe we'll find a way out of here. Hold it! Ah! Bon, dame. Salut. Looks like a bunch of mushes I ain't seen yet. You gotta have pretty damn bad luck ending up in a Titan's guts like this. Huh? That blade! An emerald core crystal. So, the rumors are true. Huh? What rumors? The tale that every driver worth his salt knows. The legendary Aegis. Folks been saying she just woke up from a 500 year nap. Wouldn't have thought she'd show up with a pencil neck shrimp like you for a driver, though. You think I don't have what it takes? No, I mean, maybe you could handle a normal blade. But a greenhorn like you, with a beaut like her, don't kid yourself. Come on, boy. Hand her over to a grown-up. This crap is getting old. Leave her alone. You got heart, kid. I like that. You. Zuo, you take care of the others. I want to squash the kid. Leave it to us, boss. We'll take real good care of him. C'est quoi sa lame? Très bizarre. C'est parti. Watch yourself, Ringtimes.
Alors, vous voulez opposer à une horde d'adversaires. C'est le moment idéal pour vous éclairer sur le combat contre une multitude d'ennemis. Oui, cette icône indiquée par la flèche est l'icône de convergence. Lorsque vous affrontez plusieurs ennemis, si le chef du groupe se met à attaquer un autre adversaire, vos alliés ne changeront pas pour autant de cible. Ah ! Ah oui, d'accord. Si vous attaquez un ennemi particulièrement puissant, appuyez sur gauche qui correspond à l'icône de convergence pour demander de l'aide. Vous me demandez comment c'était ? Nickel. Face à une multitude d'ennemis, j'avais essayé ZR plus ça, ça marchait pas. Ah zut, j'ai loupé un truc. Changez de cible à bon escient et faites converger vos alliés sur certains ennemis. Ah si, le combat devrait bien se passer. Pour l'heure, passez. Protégez pas alors. Ok. Hop. Toujours être tiré en premier, hein. Faire les mêmes combos que d'habitude. Hein. On ne change pas une recette qui marche. Par contre, comme c'est des pilotes, c'est un peu lourd. Et j'ai eu le combo et je peux utiliser ça. Nickel, et on va avoir un niveau 4 bientôt. On va juste attendre un peu. Et je cancel au niveau 3. Enfin, la troisième auto-attaque. Et voilà. Hop. Change de... J'ai dit, c'est pas plus mal d'avoir changé en soi. Ok. Okay. On a eu le cancel et le combo continue. Oh, il est mort, ok. Donc, on va pas continuer. Faire un niveau 4 parce qu'on avait un niveau 4, je ne sais pas comment. Je comprends pas comment ça marche la mécanique du charger pas charger quand on change de lame. Du coup, on est relativement tranquille. Bon, du coup, je vais devoir faire moi-même. Parce qu'elle a pas eu un... J'arriverai jamais au niveau 3 encore, je pense. Donc, mon seul espoir, c'est Nia. Il n'y en a plus, il n'est pas arrivé malheureusement. Voilà, ensuite on va faire un niveau 4. Nickel.
Niveau 14 au Switch. J'arriverai pas à monter à niveau 4 comme d'hab. Oh, je suis pas arrivé à temps malheureusement. Tu dis on peut le refaire. Vu que Mia a lave. Et voilà. C'est spécial. Le switch sur Pyra. Et ça devrait être bon, je pense. Allez. Nickel. Eh non, mais j'ai déglagué. Huh? Something feels different. This man, he's... That all you got, mate? Pathetic. We'll show you. We'll show you what me and Pyra are made of. He dodged. Of course I did, kid. Any slower, you'd bore me to death. How about this, then? Rex! Wait! I can't supply power this fast! Nowhere left to run. No, Rex, no. Huh? Playtime's over. Take this. Uh-huh. If you're a driver, you're a new one for sure. Drivers, see? We borrow our blade's energy, channel it into our weapons, and let rip with an art. But you gotta be careful. There's a limit to it. If you go in all bullheaded like that, kid, even that Aegis of yours is gonna run out of energy before long. What? Huh? Huh? The name's Van Damme. I run a little firm out of the nearby village. Firm? Come on! I'll treat you to some grub. As thanks for letting me take a whack at the legendary Aegis. Just then, I realized while we were fighting, I sensed from the very start that he didn't mean us any real harm. Hmm, he sure is a strange old goat, that one. Je veux pas dire, mais moi, quand c'est moi qui joue, on gagne, hein. Oh, ouais. Bref. Ceci dit, c'était probablement... La Fat Fight la plus bizarre, c'est... C'est genre... Oh, j'avais juste envie de fight. Bon, d'accord. Ceci dit, il me semble que c'est un mercenaire dans sa biographie, donc c'est un peu logique qu'il doit aimer fight, parce que bon, sinon ça serait... Un peu pourri pourri. Donc bon, il y a une certaine logique. Mais quand même, c'est bizarre. Bref. Hell of a story. So you headed to the World Tree to reach Elysium, but got swallowed up whole instead. You got some crazy luck. So, what were you doing back there then? You know this Titan?
It ain't too fussy about what it eats. I went down there to see if anything we might need in the village washed up. But mostly I only found your sorry mushes. Yeah, sorry about that. Here we are. Welcome to Garfont. Ain't much but it's home. The village has a lot of children. Lots of drivers and blades here, too. We're in the business of dispatching drivers and blades all across the world. Most of the kids are war orphans. Took them in while on the job. So you're saying that you take them under your wing? Just till they're able to make it by themselves. Some of them might grow up to be drivers, like ourselves. But then others might become tailors. Doesn't matter what they want to do with their lives. We leave it up to them to decide. Aye, us justice busters just want to help. Good eggs, huh? You said it. I've been called worse. Come on, let's eat. All this egg talk's making me hungry. Bah, en fait, c'est un groupe de bons gars. Ils sont sympas. Et hospitaliers. Un informateur, très bien. Juste aller grailler comme il dit. Hop, dit couvert d'âme. On va rester un peu ici. Si ça vous dit les crevettes, vous avez qu'à en profiter pour faire le tour de Garfront. Passez voir Gudo quand vous en aurez marre de jouer aux touristes. Il vous fera agrailler. Comme ça, on pourra faire copa copa autour d'un bon gueuleton. Après, peut-être que j'ai un peu plus de volume pour sa voix. Bon, bref. Hé, regardez qui est là. Y a pas à manger sur la table. T'en fais pas pour addition, mange autant que tu veux. Ah non, y a à manger. Je me disais, c'était bizarre. I'm going to get some water. Van Damme? Cheers, love. Give me a beer. Beer? Coming right up. What's up? The grub don't suit you? So, do you fight in wars too, Van Damme? You got a problem with mercenaries. Are you trying to get us to join up? Ha! Shrimps like you? We're not that desperate. Relax. Okay. Good to know. Hmm. Rex. You're a salvager, ain't you? Yeah. You must have fished out your share of military supplies, right? You're fine with that? Nah, I don't want to get involved with it. It's all the same. Compasses, valves for ether stoves. Armies need all these things. That bread you're eating, it's made from Ruska flour, supplied by the Ardanian government. This world's full of war. A bit. Don't matter if you're a soldier or not. As long as you're alive, you're in the war, some way or another. Don't you think? Life can be cruel. Crueler than you know. That's why I set up this little band, so I could protect the people I care about. Rex, you're the driver of the Aegis. The whole world's gonna try and scalp you. You realize that? How are you gonna live when you've got everyone gunning for you? It'd be easy to run. All you need to do is ditch that girl. Come on! Gotta get ready! Where are we going? Just follow me, kid! Il nous dit de suivre et puis il disparaît. Il m'énerve déjà. Où est passé Vandamme? J'imagine qu'on n'a qu'à explorer le village en espérant tomber sur lui.
Bonne idée. Il est important d'apprendre à se référer dans un nouvel endroit. À se repérer. De plus, n'a-t-il pas dit que nous devions nous préparer en vue de quelque chose? Les explications, c'est pas son fort. C'est sûr. Il y a des boutiques par là. Allons-y à faire un tour pendant que je cherche. Pendant qu'on le cherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Allez. Trois forges. Oh, ok. Oui, je veux. Hop. La plante. Pour de remarque, je pense pas que je prenne un truc. Voilà. Fasse trop de dégâts vu que on est quand même censé soigner. Hop. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du troc, des accessoires, des cœurs. Bon. Même skin que le truc à gemme du premier, il me semble. Enfin, non, ça a été refait, mais c'est vraiment la même philosophie. Mercenaire méoman. On va récolter. On s'éloigne là. Pas grave, il y a un peu beaucoup de monde. Oh, salut. Je m'en vais vous dire une bonne chose. Croc adore le poisson. Quant à Vandame, c'est steak d'adoyau d'arma, son péché mignon. Certains sont du genre à blouter ce qui leur tombe sous la main quand ils sont en mission. Mais être aventurier n'empêche pas d'être gourmé et manger ce qu'on aime en décuple ses effets. En plus, ça renforce vos liens avec vos lames. Rien de mieux que de passer par l'estomac pour se faire des amis. Bref, penchez-vous un peu sur les goûts de vos alliés quand vous partez à l'aventure, vous ne le regretterez pas. Merci infiniment. Acceptez également ma gratitude. C'est que les lames qui sont polies apparemment. Hein. Aux portes arrière, d'accord. C'est par là. Bon. Moi j'ai... truc à faire mais je ne veux pas quitter mon poste. Oh. On a un petit souci, vas-y. Les enfants sont partis jouer, mais ils auraient déjà dû revenir il y a longtemps. Après s'être amusés, ils arrivent de ramener au village des matériaux de nourriture. Je leur ai demandé d'arrêter de faire ça, mais vous connaissez les enfants. Ils doivent se dire qu'en jouant aux mercenaires, ils seront utiles au village à leur maintenir. Et là, vous vous inquiétez vraiment pour eux. Peut-être que je m'en fais pour rien, vous me direz, mais avec les histoires qui circulent ces derniers temps, j'aimerais simplement m'assurer qu'ils n'ont rien. Mais je ne peux pas quitter mon poste, malheureusement. Ok. D'accord. Bon, bah on va ignorer les enfants. Pff. Non, je vais juste trouver la boutique d'accessoires, nickel. Et voir également un... Très franchement... ça et on va voir ce que j'ai peut-être comme accessoire déjà. Alors ça se trouve je les ai achetés pour rien. Bah voilà, je les ai achetés, j'en ai acheté un pour rien. J'ai des feuilles de PV. Bon, je suis disponible pour faire une attaque, ça pourrait être pas mal. Pas. Bon. Ah, du coup. Ok. En deuxième écran, on te met quoi?
Mes récréations, c'est bien ça. Il y a des activités. C'est une bonne idée. Et là, ouais, on est bon. Allez. Nous avons fait attendre les jeunes. Désolé pour retard. Et faute à Vandamme, à foncer tout seul. Ah désolé pour ça. Vous êtes déjà croisés lorsqu'on s'est battu plus tôt. Mais je crois qu'il est temps que tu te présentes, non? Je suis Rock, la dame de Vandamme. Heureux de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour nous. Tes armes sont pour le moins étranges. Oui, ce sont des faux doubles. Même ici, Vandamme est seul à savoir les manier. Waouh, gros bonhomme est épatant. Ne complimentez pas trop, sinon ça lui monte à la tête. Vandamme a une seule âme? Ouais. Je sais que la plupart des pilotes en ont plusieurs pour adapter leur stratégie, mais perso, Rock me suffit. Gros bonhomme est vraiment épatant. Ce serait pas plutôt que les changements de stratégie ne sont pas votre fort? Oh, il fait que rire, ok. Bon, bien. Maintenant que les présentations... Oh. Je la refais, elle était horrible. Bien, maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Il a simplement évité la question. C'est une esquive de haut vol. We just got a job to go check out some kind of crazy energy effect. Somewhere up around the blowhole. What do you say? Fancy being a mercenary for a day? Okay. But, I mean, we don't work for free. Don't worry, kid. You'll get paid. Okay, oh, on a Vandamme dans le groupe. Niveau 20. On peut jouer. Yes! Du coup, on peut sortir Rex. Ouais, je vais sortir Rex. Parce que je pense que c'est un attaquant. Si je regarde dans l'inventaire. Personnage, Vandamme avec Rock. Ouais, je peux renforcer des trucs. Ok, alors Megamusk. C'est quoi? C'est un tank ou un combattant? Ah. Non, combattant, ok. Alors. Méga muscle, augmenter dégâts figés aux créatures volantes, ça c'est nul. Ah non, c'est juste un truc, ok. Et juste un effet spécial, je croyais que c'était ce truc qu'il faisait. Permuter ça et taille musclé. Je pense qu'ils se valent à peu près. C'est juste temps de recharge en fait. Je préfère avoir 6. Hop. Et là, on peut regarder son sociogramme. Ah oui, non, oui, j'avais totalement oublié. Permet d'utiliser un art de pilote après en avoir fait un autre. Monter PV. Alors plus on obtient des trucs à l'extérieur. Ta force. Hop. Yep. Job done. Du coup, non, on peut rien apprendre d'autre. Pour Tora, là, je veux pour qu'il tanque bien. Et du coup, c'est tout. Pour Nia, hey, we didn't do half bad. That takes care of that. Oh, et on a accès au reste, nice. Pour Rex.
va augmenter la force. That's about that. Avec ça, ça. Comme ça, on commence avec un art déjà prêt. Bénédiction de papy, le truc s'appelle. Ouais, un jeu de groupe sera au pipu avec un coup critique, tiens. Intéressant. Faudra pouvoir essayer de fight, du coup. Come at me. Only one Van Damme. You're looking at him. Enough chirping. You're not such hatchling. Yeah. No, you fight Poppy. Oh, il y a un combo de 4, lui, non? Je suis pas du tout habitué de cette arme, du coup. Donc, pour être comme ça, j'ai un peu du mal. Par Apple Mage, je veux dire, j'arrive pas du tout. Et ça va, j'arrive à peu près comme ça maintenant. De toute façon, il va mourir. Nice. À quel sommet du grand Évran est vraiment, donc ça peut être par là. Hein. Et je commence à comprendre comment il fait sur l'attaque. Voilà, maintenant comme ça. Les auto-attaques sont plus longues en fait. Mais elles font beaucoup plus de dégâts. Du coup, il est plus dur à charger les arts avec, parce que c'est si long. Je trouve bien pire que Rex, hein, qu'on soit clair. Très très mal, instantanément fini. Excusez-moi. Ah, je suppose qu'on va juste avoir une demande d'utiliser le vent. Ah. Miasma. Take it, this is non, j'en avais vu un, je me demandais ce que c'était. Ether miasma. It's a load of poisonous waste products spewed from the Titan's guts. You know, when you get gassy, kind of like that. Is there a way through this thing? I can't see any way around it. Hey, no fear. Rock, mate! You're up!
Ouais, logique, maîtrise du vent. My asthma's died down. Yep, nothing to it. Let's roll. Ok. Par contre, tu n'es pas là. Hey, look what I found. Congratulations. Je vais en faire un pourquoi, parce que pourquoi pas. Et je commence à avoir l'habitude de comme ça avec Vandam. C'est juste que je regarde bien comparé à Zeggy ce que je peux faire moi-même. Oh. Vu ma vie, je ne veux pas risquer à... Et le moment est venu de fuir. Ok. Bon. C'est pris trop de lumière à la fois. Ok, on a qu'à, on peut le fight. Et on va faire un truc qui nous occupe bien. Et là ça va faire très très mal. Ouais. Hop là, on peut continuer. An Arden. Just what we need. Rex, any good with that anchor? Yeah, I get by. Hand that here.
Now watch! Enfin, on va pouvoir faire chuter les ennemis. Awesome. I never thought of using it that way. The trick is to pull it torn at just the right moment. Now you try. Du coup, je joue par Rex, donc ça. Bon, je sais comment ça marche. Alors. Il faut déséquilibrer l'ennemi. Une fois qu'il est déséquilibré, on peut le faire tomber. Une fois qu'il est, tombé, on peut le lancer en l'air. Une fois qu'il est lancé en l'air, on peut le faire redescendre. C'est déséquilibre, tomber, c'est comme dans le premier. Après, là où dans le premier il y avait habitude, là à la place c'est lancer, tomber. Voilà. On va lire le tuto quand même. Ce bonhomme, Vandamme, est un sacré professeur. Grâce à ses conseils, Rex a la capacité de faire chuter les ennemis avec son arc grappin. Et vous acharner avec l'air spécial grappin ne sera pas forcément suffisant pour faire chuter l'ennemi. Essayez plutôt d'utiliser grappin lorsque l'ennemi est déjà déséquilibré. Mia dispose d'un arc qui peut déséquilibrer l'ennemi, effectivement. Attendez qu'elle utilise et passez ensuite à l'attaque avec grappin. Ah, et du coup, ils ont viré Tora. Oh, bah c'est nice, on n'a pas de tank. C'est cool. Voilà, on dirait que l'attaque de l'un d'entre vous a déséquilibré un ennemi. Lorsque un ennemi est déséquilibré, vous verrez une jauge à l'endroit indiqué par la flèche. Je vais la regarder plus tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est la jauge de combo de pilote. Avant que la jauge ne se vide, si vous touchez un ennemi grâce à un arc qui peut faire chuter, vous affichez plus de dégâts. C'est ça, un combo de pilote. Il existe 4 étapes dans les combos de pilote. Déséquilibre, chute, éjection, commotion. Rex et ses amis disposent d'une variété d'arts aux effets complémentaires. Utilisez-les en réalisant les combinaisons les plus efficaces. Et pour l'heure, pourquoi ne pas essayer de déséquilibrer cet arbre en fait, puis de faire chuter en utilisant le grappin, bah attendons que Rex se fasse. Voilà. Du coup maintenant, on va pouvoir faire chute plus spéciale. Oh zut, il s'est relevé, dommage. En plus, Vandamme, il y avait éjection, donc on aurait pu faire éjection aussi. Ah oui, j'ai totalement loupé de faire éjection. Quelle déception. Oh, vous pouvez faire tomber sinon. Faire ça comme ça en espérant que je reprenne l'aggro. Ça serait bien que tu fasses tomber. Ah nickel. Maintenant on peut faire lancer. Ah éjection. Plus tourbillon, nice. Et tornade. Éjection tornade. Pour faire de gros dégâts, nickel. Ah. You got it after seeing it once. Not bad, kid. Hey. Listen up, kid. Drivers use arts, but that doesn't just mean using the powers your blade gives you.
There are arts that use your own strength or take advantage of your enemies. There are all sorts. A driver's job is to be smart with his arts and protect his blade. Protect my blade? Yeah. It's a two-way thing, kid. You gotta be aware of the power coming out of her. Don't waste it. Channel it through your arts and protect her. If you can do that, then you're a true driver, kid. A true driver? I don't know. Am I ready? Course you are. That thing from before. Took me 5 years to learn that. 5 years? Yeah, but you saw it once, and then you aced it like it was nothing. And you got Nia and Tora in tow. Those guys are pretty handy. Kid, you got a bright future. I think I'm gonna spew. Biggie Pon has scary face, but he very nice. Suss me out, Furry Pon. Il est génial, Vandam. Je l'aime. Et prouesse accomplie. Je vais juste regarder si on va pas personnage. Me dit des âmes. Waouh. I see, indeed. I'll wield this power to protect my friends. Non, on n'a pas débloqué d'autres. I'm happy to support you if need be. I shall wield this power in aid of my comrades. D'accord, il faut juste augmenter niveau de conscience et wow, on en est encore loin, donc faut, c'est pas à peine que je continue à regarder, on va quand même finir pour Poppy et Kaida. Mais on en est loin. Oui. Oh non. Là, contre toi, Vandam, par contre, je pense qu'on va l'enlever. Après ça. Quoi, c'est une carcasse de titan? Like I thought. A titan? So that weird power effect they clocked. Maybe this is the cause. Yeah, sure looks like it. I'll hazard it wasn't death by old age either. Might have been an accident. On the other hand, it might have been attacked. Hey, look. Seems like this Titan dying off has stirred up something. Mais l'autre, c'est pas la lame de Malos? Bon, on va regarder si on peut changer de target. On peut pas. Ok. Non, c'est sur le. What? C'est Apiote? Ok. Non, j'étais pas prêt parce que là, j'ai pas de tank, ça va être nice. Je peux même pas faire de combo 3 avec ce que j'ai. I'm not half bad either.
Je vais prendre moi-même, mais bon, très bien, n'y a Et on est quand même bien. Vous pouvez faire tomber sinon. Les lames se régénèrent, non? Oh nice, on peut faire une éjection. On devrait finir avec un x4. Ou peut-être avant. Bon, le x2 suffira. Nickel. Mais le truc, c'est qu'on a combattu la lame. Et pas. Non? On a le cristal, cœur cristal. The blade returned to its core. So that monster was in resonance with the blade. Tora cannot resonate. Stinky monster, ouais, d'accord. Can resonate. Not fair. But Master Pon have Poppy. Oh, Poppy. If a blade loses its driver, it winds up like this. So, is it like dead? Nah. The crystal will start glowing again after a bit of time. Then a new driver can resonate with it. But... there's a but? Its memory will be totally zapped. It'll be reborn as a new blade. Won't remember a thing. Yeah? That's pretty rough. To have all your past wiped out like that. But memories can be painful as well. They can be a terrible burden. And a blade can live forever, as long as the crystal exists. It's just as well. Eternity is a long time to collect bad memories. Pyra. I'm sorry. I was just thinking, sometimes being able to forget is a blessing. Come on, let's get finished up here. That's...
What? Well, that's where they come from. What? Out of Titans. This one's brand new and ready to resonate. Like a big steak, right before you take that first bite. It'll probably end up buddying up with a bunch of drivers. Every time the driver dies, it'll forget everything and return to its core. Eventually, it'll resonate with a new driver. Drivers dying, Titans dying. The Blade just keeps on living through it all. It's a never-ending cycle, an eternal history. As mortals, we'll never be able to understand. It's incredible. Had a body when we found her. Could her old driver still be alive somewhere? Perhaps. Admettons que Pyra n'est pas une exception à cette règle. Ça veut dire que La seule possibilité, je pense que c'est plutôt... Je tendrai plutôt vers le fait que c'est une exception à la règle. Mais si ça n'est pas, ça veut dire que la seule possibilité, c'est que c'est la lame de l'architecte. De quelqu'un d'immortel, mais je vais supposer l'architecte en disant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Seulement, ça explique, si c'est la lame de l'architecte, ça peut pas être la lame de Rex en même temps. Donc c'est pour ça que je penserai juste sur le fait que c'est une exception. Le problème en disant que c'est une exception, c'est que quand tu... Généralement dans une histoire, quand tu lances un truc comme ça, où le personnage se demande si c'est... se demande quelque chose, c'est pas pour rien. Donc bon. Du coup, j'en ai aucune idée. Bref. On va s'arrêter là pour ce live. Je pense que vous aviez deviné vu que j'étais en train de save. On va save encore une fois. Je suis à combien d'heures de jeu? 8 heures de jeu presque. Ouais, il est 2h du mat. Il faut quand même que je dorme. Donc, on revient demain pour plus de Xenoblade Chronicles 2. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, c'était JeuPacor. Allez, ciao tout le monde!